Voilà. Qu'est-ce qui peut bien se passer si on part quelques jours avec quelques potes sans avoir rien prévu du tout? Musique, rock, classique, c'est parti, regardons plutôt. C'est splendide! Tout commence avec les affaires d'un pote qu'on doit aller chercher, mais il n'y a personne chez ce pote. Je sais pas pourquoi je garde le casque. Il y a uniquement son chien, qui évidemment se roule par terre dehors et ne veut pas rentrer lorsqu'on lui demande. Hé, hey, shérif! Viens! Viens! Allez, shérif! Il est où le chat? Allez, on rentre! Le chat! Shérif dedans! Shérif, tu viens dedans! Hé, ça va les couilles! On va pas aller. Faut que t'ailles dedans, d'accord? Hey, salut mon frère, on est ici dans la voiture, ici présent, en compagnie de Alexandre. Hey, salut. Oh yeah, et on est aussi en présence de Oud. Comment ça va? Bonissimo. Si, bonissimo. Et lumière. On s'est arrêté un court instant à Montreux, juste à côté, pour se baigner. On n'a pas d'image. On a filmé les choses les plus importantes du trajet. Nous sommes ensuite allés à Lidl. On n'a pas d'image non plus. Et c'est finalement sur un air céleste que nous montâmes jusqu'en haut de la montagne. Nous étions très contents d'arriver, notamment pour Honoré, qui, écoutez plutôt, dit ceci. En forme dégroupée, Alex. C'est après de longues péripéties. J'espère qu'on l'a entendu. Que nous sommes arrivés à l'Alpe des Chaux. D'accord. La pâte à crêpes nous attend après toutes ces heures de route. Il y a ensuite Sydney qui nous a rejoint. Salut à toi Sydney si tu regardes cette vidéo. On fait des crêpes. Qu'est-ce que c'est toi? C'est bon ça? Ouais. Toute la journée j'ai récolté des francs sur la séquence. Elle est pas un peu noire en fait? Non, ça va. Mais. Oh là là, il est fatigué? Oh, je peux te dire que j'ai de secouer, hein, tu seras pas fatigué ce soir. Super Aude. Yes. Oh. Une fois la musique coupée, les jeunes retournent à leur vie normale. Immersion avec Sydney. Qui n'arrive pas à mettre ses chaussures lui-même. Ça joue. Merci. Ça veut le port d'armes. Celui qui a la première, elle est hyper épaisse si jamais. Tu veux les gros bras de Jean-Claude Van Damme, toi, non? Et les boissons. Fait bien, hein. Qui veut quoi? Oh. Ça veut le port d'armes. Et les gros bras de Jean-Claude Van Damme. Comment ouvrir une bière avec le professionnel Honoré? Intéressant. Prenez. Il commence par chercher un spot adéquat. Exactement. Prenez un angle. Anglu. Et... Et là, comme il touche par terre, ce n'est pas possible. Faut trouver un autre endroit. Mais où donc? Dans le néant, Honoré se retrouve perdu. Un coéquipier à l'aide de l'ustensile de type. Ah, voilà. Et ouais. À l'aide d'une capsule. C'est bon, c'est stable, je ne bouge plus. Il stabilise sa chaise. Allez, bon bras. Jean-Claude Van Damme. Salut. Jour 2 ou jour 1 si on compte en jour complet, ça dépend comment vous. Il fait super beau. Ah là là, c'est fou ça. Petit T. Quel est le nom de la montagne? Le pic. Bon bah ça. C'est sucré. Un apport en sucre. Ouais, tu comprends. Allez. Ce serait énorme de fixer la GoPro sur ta. Fixer la GoPro ici et avoir un plan comme ça, ce serait si. We'll be right back.
et Antoine vient de nous rejoindre. Bonjour tout le monde. Voilà, les caméras traquent sur moi directement. Bon. Ton masque, il sert à rien comme ça. Oui, bonjour, Cinevir, t'as la parole. Oui, oui, bonjour, Cinevir. Oui, bonjour, Cinevir. Je voulais savoir si vous aviez des trotterbes disponibles pour aujourd'hui. Je voulais savoir si vous aviez des trotterbes disponibles pour aujourd'hui. Ok, super. Merci beaucoup. Pas de soucis, au revoir. Ok, super. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Voilà, on est niqué. C'est un échec. Je savais pas qu'il fallait prévoir autant à l'avance. Toi, la tronche. Eh ouais. Bon, ben, let's go. La solution de repli, c'est au restaurant, se pense bien la pince. À 10h du matin. Ah ouais. Nous sommes arrivés à Accrobranche. Super, dites-vous, sûrement dans vos écouteurs. Oh bah super alors. Oh, c'est casse-couille hein. Bon réaction à chaud. C'est mort. Merci. En fait, comme toutes les activités étaient plus ou moins tombées à l'eau, au dernier moment, on a pu rejoindre une initiation de tir à l'arc. Mais il nous fallait nous dépêcher, car il était genre 11h28 et ça commençait à 11h30. Eine Brezel, ich habe keine Brezel. Oh. Was, warum sprichst du über Brezel? Ich habe, hast du Schokolade? Nein. Oh. Ich only habe Bruno d'Achat. So. Nicht die. Möglich, Wo sind wir? Wir sind lost. Mein Po tut so weh. Weißt du, wer die Tir à l'arc ist? Die Schießbau. Sidney, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ja, was denkst du überhaupt? Überraschungen. Voilà. Oui. Je stresse. On a beaucoup trop d'images. Au moment où je fais cette vidéo, en fait, je n'ai pas fini le montage parce que j'espère que ça va éclaircir mon esprit. Mais on a tellement d'images de tir à l'arc, c'est ridicule. Ceux qui visent le jaune, je lui paye une bière. Ah, c'est pas mon cas, en tout cas. Ah, ça motive. Mais il a visé le jaune, là, Antoine. Ah non, attends. Ah. Rectifie, jaune. Non. T'as visé ou honoré? J'avoue, là. Et non, trop loin. Mais quel homme. Oh, le plan de fou! Bam! Mais comment c'est possible de ne pas s'éclater le bras? Il est rouge! Mais par contre, il vise bien. Alex, dans le cul! Reste là, Alex! Ouais, vas-y. On t'en figure! C'est quoi, t'as dit tout cul tendu, ma vie d'être battue? T'aimes bien les fesses! Mieux amortir. Par contre, ouais, attends que... Ouais. C'est bon, mais c'est faux. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est de la prouesse, là, qu'est-ce qui se passe, là. C'est beautiful. Ah, tu fais une jaune, hein. Oh. Bonsoir. Par ça, Antoine, il est silencieux, mais il est pro. Silencieux, mais... Je veux pas dire. Bon, alors, ça, c'est un peu un homme des forêts, quand même. Et... I'm hurting. Ah, une petite bière en plus. Ah, c'est une bière. Oh, ah, une bière, ça fait une bière de plus. Yes. Oh. Ça peut être sympa de se refaire une flèche comme ça dessus. Dernier tir, mec. Tu peux tout donner. Un peu déçu. Et puis on a ensuite mis nos magnifiques skills organisationnels ensemble. Combo comme ça, afin de trouver ce que l'on allait faire le deuxième jour. Antoine, c'était là-bas. Je sais pas combien de temps ça dure le descendre. Ah, problème, y a pas de S. Ouais. J'en ai marre de ces sites là, c'est la con. C'est... Vous voulez pas appeler? Le Pyrénées là. Oh, montre. Comme ça là, c'est pas vrai. Montre. Oh ouais, là c'est bien. Le soleil. J'ai trop net. Adapté à ma vue, c'est pour ça. Santé les gars. Santé. Et on a aussi suivi les conseils de cette jeune monitrice du tir à l'arc qui, après de nombreux essais, nous a fait comprendre où c'était et on a compris
Hop hop hop, le jeu de la allez, pitchoun, c'est parti. Ok, cool. Le lac de quoi? Ok. Le lac des quoi? Des Chavannes. Des Chavannes. Tu connais toi le lac des Chavannes? C'est par où ça? C'est par où? C'est par là-bas. Le lac des Chavannes. Le parc ou le lac? Vous avez parlé d'un lac? Mais c'est. Il y a le Dard qui passe le nom de quelque chose, mais. Ah, mais c'est que la jour, hein. Bienvenue sur la marche vers le lac de Chavonne. Hey, what up? We are currently in the mountains. We're trying to go up here to see a lake. Oh, nice. Right? Right. Eat it! En Angleterre, ils disent eat it! De où? Yeah. Je fais des bruitages en même temps que je filme. Je trouve que ça donne plus de passion. Oh, wow. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Je fais un reportage sur les gens un peu stupides. Coucou. Bonjour. J'aimerais interviewer monsieur aussi. Oui. Oui. Alors. Adieu, comment ça pétole? Nous, on est en train de faire une petite balade au lac de la Chavonne. Et on va se faire une pique une tête. On va piquer une tête. Et comment vivez-vous ce syndrome de la stupidité? Oh, bien, bien. Bien. Bien, oui, oui, oui. Et comment vous vivez quotidiennement? Est-ce que les gens vous font des reproches? Oh, oui, on a des regards, on a des paparazzi. Ce sont certaines réactions de notre maladie, voyez-vous. Moi, je suis très prendre du bon temps dans la nature et tout d'un coup, tu vois, je peux piquer des crises de colère et puis là, j'en ai marre, putain, arrête de filmer. Non, mais ça va bien, tu vois. Mais souvent accompagné voilà, de la tourette, voyez-vous. Gilles est de la tourette. Un, deux, trois, Olive. Si vous m'entendez, si vous voyez cette vidéo, sachez que j'ai démissionné. C'est trop dur. Wow. This is great. Wow. Non mais là clairement, faut pas abuser quoi. C'est splendide. Poste ton succès sur Instagram. Magnifique, c'est incroyable. C'est bien salace ici. Ensuite le soir, on a retrouvé des potes, on a fait du kart, du mountain kart, c'était incroyable, je me suis pété la gueule. On n'a pas d'image non plus, on a laissé la GoPro dans le sac à dos. J'avais pas de truc non plus pour monter je sais pas où, donc je pense que j'aurais niqué la GoPro. Merci à toi Cyril d'ailleurs de nous l'avoir prêtée. Finalement on a immortalisé les moments où on mange, où on se déplace en voiture et où on est dans la rue. D'ailleurs en parlant de rue... On est pas dans un clip de... Ah mais oui, oh, clip. C'est parti, clip. Attends, je me ralentis. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. I got the money in my pocket. I got the money. Let's check it out. Give it. Look at this. The money in my pocket. I got the money in my pocket. Representing you, the whole crew, you know, we're all here now, except Sydney, excuse him, he's not available, but we're all here. For a great night, wow. Great evening, huh? Oh, this is a chantier interdit. Oh, we cannot go. Ah oui, parce qu'il faut dire un truc. C'est que lui, quand on part, on est là, ouais, c'est bon, tout ça. J'ai réussi à tout mettre dans un sac, je suis trop content. Slip, t-shirt, tout. Lui, il fait, quoi? T-shirt? Oh là là, j'ai pas pris. Du coup, je suis allé lui chercher des t-shirts. Donc, il porte mes habits depuis 3 jours. Crazy, what's going on is crazy, bro. Et ensuite, il y a Honoré, qui dans cette séquence, va vous faire la reconstitution de l'appel qu'il a eu avec le restaurant
dans lequel on se rendait à ce moment-là. Bonsoir, Honoré Jacquet. J'aimerais réserver une table pour 6 personnes pour ce soir, s'il vous plaît. Merci. Ça sera à l'intérieur ou à l'extérieur? Ah, vous savez pas, en fait. Bon, bah, on verra bien. Bonne soirée. Au revoir. Elle regarde, genre. Merci. Je vais juste appeler. En vrai, c'est trop bien, c'est un plan où on est tous dessus là. Là, c'est hyper large, on le voit lui. C'est ouf quand même. Ah, ça fait plaisir. Elle était pas mal, elle était pas mal. Moi je m'aime bien, arrête, je me filme quand j'ai envie. Ah mais y a pas beaucoup de choix en fait hein. Pas beaucoup de choix hein. Cette mise en valeur du visage. Regardez le faciès. Le faciès. Coucou. Mec, le super view, il est incroyable. Attends mais juste. C'est fou. Mec, c'est vraiment dingue. Oui. Ah, yo, on parle de qui, hop. Ah, mais t'es bien bronzé. T'as un gros nez. Salut, bonjour. Ça va, là? Ouais. Ah non, mec, les lunettes, mec. Voilà, ce fut quelques extraits d'un week-end entre potes. Faites ça, c'est extrêmement cool. Alex. Partez pas loin, juste avec quelques potes, et puis faites des crêpes. Accroche-toi. Je pense que ça vaut la peine d'être vécu. Yo, yo, yo. I got some money in my pocket.